Pas du gouffre, parce qu'il prend l'homme blanc pour son maître. Et c'est grandement fou, l'Afrique aux Africains. Car il ne faut pas que les Africains oublient que les Blancs ont jeté pas mal des Noirs dans la mer. Et les requins se sont mis à manger nos parents noirs. Ils ont jeté des Noirs enchaînés. Hein? L'homme noir ne doit pas oublier cela. Si l'homme noir oublie cela, ce que l'homme noir est vraiment aliéné. Nous allons suivre quelque chose d'important. Et le blanc qui n'est pas content, il vient me voir, le blanc politique. Parce que, hein, moi je lui dirai, qu'est-ce qu'ils ont fait à mes ancêtres? Voilà. J'ai le sang blanc aussi dans mes veines. Je suis métisse, hein? Métisse. Mais un métisse qui parle de ce que l'homme blanc a fait. Je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un architecte. Avocat ne va pas soulever cette affaire. Mais il y a des avocats aux Antilles qui demandent réparation. Qui demandent réparation? Mais est-ce que des avocats africains? Est-ce qu'il y a des avocats africains qui soulèvent les propos de l'esclavagisme d'hier? Est-ce que ce qui se passe au Congo RDC, les viols, les massacres, dans toute l'Afrique, il y a des génocides. Mais c'est quoi ça? C'est l'esclavagisme qui continue. Mais l'homme noir vivant en Europe, vivant dans les pays asiatiques, vivant aux États-Unis, il croit qu'il est sur la terre sainte. Mais détrompez-vous. Personne n'est sur une terre sainte. Ici, nous sommes sur les terres des barbares. Les terres des barbares. Les gens qui n'ont jamais aimé l'homme noir. Et moi, je suis quelqu'un, je dirais toujours la vérité. Et l'homme blanc sait que moi, j'aime la vérité. Parce qu'il sait que le tiers africain continuera à dire la vérité. Et le tiers africain a des parents maternels, des blancs. Voilà. Un métis. Thank you.
Génocide que l'homme blanc, barbare, a exterminé le peuple noir. Est-ce que on peut oublier cela? Ils ont jeté des noirs dans l'eau
dans l'océan, des noirs enchaînés, balancés dans l'eau. Et les noirs qui sont là toujours, en train d'aller s'agenouiller vers les francs-maçons, les Illuminati, pour être des présidents africains. Vous êtes des psychopathes, des mythomanes. Vous deux... Attendez, est-ce que vous imaginez que ce que l'homme blanc a fait en Afrique, l'esclavagisme est un grand génocide. Et au 21e siècle, l'homme blanc fait quoi en RDC? Il tue. L'homme blanc fait quoi au Congo-Brazzaville? Il tue. L'homme blanc fait quoi au Gabon? Il tue. L'homme blanc tue partout en Afrique. Est-ce que l'homme noir arrive à comprendre que l'homme blanc veut exterminer l'homme noir? Il est temps que l'homme noir ouvre ses yeux grandement. Il est temps que l'homme noir ouvre ses oreilles grandement, qu'il puisse comprendre que l'homme blanc veut l'exterminer. Il est temps que l'homme noir puisse comprendre que l'homme blanc n'est pas notre ami. Et l'homme blanc n'a pas d'amis, car le général de Gaulle disait quoi hier? La France n'a pas d'amis. La France, elle a que ses intérêts. Et l'homme noir doit comprendre que les blancs politiques, ils ont que leur intérêt. Leur intérêt, l'être humain noir n'a aucune valeur pour eux. Et tant que l'Africain ne va pas comprendre cela, nous resterons toujours des derniers. Parce que l'Afrique, les migrants, quand ils quittent l'Afrique, ils ne quittent pas l'Afrique pour le plaisir. Ils quittent l'Afrique à cause des dictateurs. Qui ont placé les dictateurs là, qui ont fait 36 ans, 50 ans de pouvoir, hein, 32 ans. Mais qui les ont placés? La France et le reste des Occidentaux. La vérité doit être dite. Tant que l'homme noir ne va pas comprendre cela, il ne sortira pas de l'imbécilité. Parce que l'homme noir, il prend l'homme blanc pour son Dieu. L'homme noir qui veut être député, président, prend l'homme blanc barbare pour son Dieu. Car on leur a fait voir que Jésus-Christ aux yeux bleus, Jésus-Christ aux yeux bleus et aux longs cheveux, est blanc. Et l'homme noir se dit que l'homme blanc est un dieu. Êtes-vous normaux? Vous êtes des psychopathes, des mythomanes. Vous n'avez rien compris. Et il est temps que l'homme noir sorte de l'imbécilité. Parce que l'homme blanc est un assassin. L'homme blanc est un violeur. L'homme blanc est un pédophile. Il est temps que l'homme noir puisse comprendre. Il est temps. Adelante. 1300. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Poachi. Poachi. ¿Cómo se llama? Poachi, va. Pongulelo, papel. Arriba.
voilà. La vérité, elle sera toujours dite. Et je veux clôturer ce direct. Mais la vérité sera toujours dite. Et l'homme noir doit comprendre que l'homme blanc n'est pas son ami. Il doit comprendre cela. Parce que l'homme qui va croire que l'homme blanc est son ami, mais il a tapé de l'autre côté. Hein? Esclavagisme est égal capitalisme. Oui, c'est la vérité. Hein? Les noirs doivent comprendre qui est l'homme blanc. Les noirs doivent arrêter de croire que l'homme blanc, c'est leur ami. Non, l'homme blanc n'est l'ami de personne. L'homme blanc est un barbare. L'homme blanc est un barbare. Et les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre. Parce que ce qu'ils veulent apprendre aux enfants, hein, à nos enfants, hein, à comment ce que c'est le zizi, ce que c'est le vagin, c'est parce que l'homme blanc est un barbare. Et ils veulent faire rentrer ce qu'ils ont fait hier aux enfants noirs. Les viols, la pédophilie. Et ils veulent le faire maintenant à l'école. Mais il faut que les gens ouvrent les yeux. Est-ce qu'on va continuer à se cacher derrière, non? Les Africains qui se cachent, ce sont des Africains qui n'ont pas compris. Parce qu'ils ont peur de l'homme blanc. Mais moi, le tien africain, aucun homme blanc ne me fait peur. Parce que je suis un métis et né du blanc de merde. Le noir et le blanc. Et qui est égal métissage. Métis. Et l'homme blanc de merde, assassin, violeur, criminel. Le message doit être dit. Des Africains qui ont peur de s'exprimer. Hein? Voilà pourquoi l'homme blanc, il rigole. L'homme blanc, quand il installe des dictateurs comme Ali Bongo, il ne veut pas se débarrasser d'eux. Parce que il sait que Ali Bongo contribue à leur mascarade des crimes. La vérité doit être dite. Les Africains doivent s'intéresser de l'esclavagisme que l'homme blanc a mené en Afrique. Car au XXIe siècle, les Noirs sont toujours des esclaves de l'homme blanc. L'esclavagisme, oui, en Afrique, les dictateurs ont maintenant fait des peuples noirs leurs esclaves. Les dictateurs sont des régisseur de l'homme blanc, barbare. Frappez sur Google, régisseur, et vous verrez ce que ça signifie. Frappez sur Google. Arrêtez de prendre l'homme blanc pour un dieu. Arrêtez de croire que l'homme blanc, c'est le pouvoir que l'homme blanc vous donne pour diriger un peuple en Afrique. Grandement faux. L'homme blanc est un barbare. Il a décimé le peuple noir. L'homme blanc est un barbare. Il a fait immensément du mal. Et l'Africain doit comprendre. Tant que l'Africain ne comprendra pas, il ne sortira pas du gouffre. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Pourquoi l'homme noir veut-il continuer à vivre dans la mascarade de l'homme blanc? Moi, le tien africain, je refuse. Je veux clôturer cette vidéo. Nous allons écouter je vais mettre toujours ceci parce qu'il y en a marre. Et ça fait hyper mal.
nous allons écouter. L'Africain, veux-tu être libre? Revendique tes droits. L'Africain, veux-tu sortir de l'esclavagisme moderne? Revendique l'esclavagisme de nos ancêtres. L'Africain, veux-tu être définitivement libre contre la dictature de l'homme blanc? Revendique tes droits. Il n'y a que ça. Tant que l'Africain ne va pas revendiquer ses droits, il restera esclave. C'est parti. Communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Ah bah. Communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Bande d'assassins. Qui nous largue des bombes aux yeux du monde. Et personne ne dénonce, personne ne condamne, tout le monde sent. Car c'est la communauté internationale qui a décidé. Hey, cette communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Ah bah. Communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Tu connaîtras mes origines, un peuple qui peut être libre. Hey! Communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Ah bah. Communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. La maman bloque à son enfant meurt, l'enfant bloque à sa maman meurt, bombardé par l'Organisation des Nations Unies. Trop de victimes au Rwanda, trop de victimes en Côte d'Ivoire, trop de victimes au Libéria, des victimes en Angola. La communauté internationale pour les Libyens. Communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Ah bah. Communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral.
communauté internationale. Je vous remercie et passez un très, très bon après-midi et à bientôt. Que Dieu nous garde et fasse afin que nous puissions en découdre avec le bateau des envahisseurs, les Occidentaux, qui tuent en Afrique, les viols en Afrique, car la femme est devenue une arme de guerre en Afrique. On tue les femmes en Afrique, on violente les enfants sexuellement et les femmes en Afrique, pour les pillages des minéraux. On exécute dans toute l'Afrique, ça bouge. Alors, l'homme blanc qui nous dira que l'esclavagisme a été aboli, moi je dis mensonge. L'homme blanc qui viendra se faire passer pour un prêtre et enseigner la parole de Jésus-Christ aux yeux bleus, je dirai mensonge. L'homme qui viendra avec ses longs boubous pour venir nous construire des mosquées en Afrique, pendant ce temps que des Africains meurent, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'école pour enseigner bien les peuples noirs. Je dirai à ce noir-là, ou à ces blancs arabes-là, parce qu'ils se prennent pour des blancs, qui viendront pour construire des mosquées, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de construction d'écoles, construction des hôpitaux. Et on a besoin des formations pour former les jeunes Africains afin que la jeunesse africaine reste en Afrique et non qu'elle sorte de l'Afrique. Mais si la jeunesse sort de l'Afrique, à cause des marionnettes de la France-Afrique, les dictateurs, les régisseurs qui travaillent pour l'homme blanc. Alors je vous souhaite de passer un excellent bon après-midi et à nous revoir très bientôt. Le Thé africain continuera toujours à parler des histoires de l'esclavagisme. Car l'esclavagisme, elle continue au 21e siècle. L'homme noir qui se dit qu'il est sur la terre sainte, hein, de l'homme blanc, détrompez-vous. Vous êtes en enfer chez l'homme blanc. Voilà, le message est clair. Et c'est le Thé africain, Georges Passy, qui le dit. Et il le dira de vous-même, des hommes politiques, de merde. Car ces hommes politiques se prennent pour des dieux. Ces hommes politiques se sont dit, ils pouvaient tuer Kadhafi, parce qu'ils sont les maîtres de la terre. Mais en réalité, ils ne sont pas les maîtres de la terre, mais ils sont que des francs-maçons et des illuminati. Bye bye.